Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vais vous démontrer à partir de certaines images que le producteur de Happy n'est pas professionnel. Regardez d'abord cette image. Ok. Voilà. Mais c'est normal qu'il ait soif. Il crie, il dit pas de bonnes choses. Ça arrive. Pourquoi tu es comme ça, mais en avant là? Il te donne l'argent souvent, non? Tu as pris position pour lui. On va débattre ça. Parce que toi, tu n'as pas beaucoup. Bois ton eau. Seigneur! Elle est comme ça, à cause de la. Non. Vas-y, c'est le Dieu te donne l'argent, ça te fait mal. Attendez, je bois ma première verre. Très bien. Regardez ensuite l'autre image. Ok. Je commence à regretter d'être venu pour entendre tout ce que j'entends là. Non, on ne regrette pas. Comment? Non, je suis confus. Monsieur Mignon, on est dans un débat. Les gens sont libres de leurs idées, de leurs opinions. Alors, si vous regrettez d'être venu, vous êtes libre de partir aussi. Vraiment. Oui, vous êtes libre de partir. Vous ne pouvez pas nous dire que nous sommes dans un débat. Moi, je n'ai pas le droit d'être offusqué. Non, on l'a pas dit, monsieur. Donc, libre. Si vous l'avez dit. D'être offusqué. Vous l'avez dit. Non, on pourrait être offusqué. Oui, vous l'avez dit. Mais pas de nous dire que vous regrettez d'être venu, monsieur le ministre. Vous comprenez dans la compréhension? Très bien. Écoutez donc maintenant la version de votre producteur Kodo, Serge. Quelle est la question que le journaliste te pose au point où tu dis que Happy serait un homosexuel? Quand vous voulez poser des questions, essayez d'abord d'écouter ce que j'ai dit. Je n'ai jamais dit ça et ne me prêtez pas les mots. J'ai dit ceci. Si vous passez, vous prêtez encore les mots, je vais vous laisser sur votre plateau. Tu peux te lever, tu peux. Voilà, il faut pas souvent déranger les gens. Quand vous avez vos trucs à faire. Non, les pas. Bonne soirée. Alors, franchement, c'est pitiable. C'est de la gâchis. Il dit qu'il n'a jamais dit que Happy est Nepso, non? Maintenant, on va le prouver qu'il a confirmé ça à la télé. Regardons ensemble. Ok. Ben, il y a plein de rumeurs sur lui avant qu'on le signe, non? Tout le monde connaît que c'est un drogué. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. On a essayé de l'aider. Maintenant, d'autres rumeurs de sa tétutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi, je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. Maintenant, d'autres rumeurs de sa tétutesse, non-respect de contrat, homosexualité ou je ne sais quoi, je pense qu'il est temps que tout ça soit clair. J'ai confirmé parce que moi-même je l'ai signé et que j'ai fini par constater que c'est vrai. Hey, Jesus Christ of Nazareth. Je voudrais préciser ici que je ne supporte aucun cas, ni Happy, ni Kodo, parce que je ne connais personne d'eux. Moi, j'analyse juste les images qui se sont. Voilà, je voulais préciser ici que je ne supporte aucun cas. Ni Happy, ni Monsieur Kodo, le producteur. Mais nous, on analyse juste les images qui nous retrouvent sur Facebook. Donc, je ne veux pas aussi encourager les propos de Happy en disant que mon producteur me demandait de sucer, machin, tout ça. Il faut des preuves. Parce que venir salir aussi l'image de quelqu'un comme ça, ce n'est pas bon. Mais je vais plus m'adresser au producteur parce que le producteur est le père. Happy, c'est un enfant. Donc le producteur est mieux placé, est mûr, est supposé être mature que Happy. Donc je m'accroche uniquement sur le producteur. Mais je n'ai pas de problème avec le producteur. J'analyse juste les images. Ok. Monsieur le producteur, comprends un peu. Au départ, tu as dit, il y a eu beaucoup de rumeurs. Tu as cité la drogue. Après, tu as dit, tu as signé et tu confirmes que c'est vrai. Là, c'était le contexte de la drogue. Mais dès le début, tu as dit, il y a eu beaucoup de rumeurs. Et par la suite, tu as dit, il y a eu d'autres rumeurs comme le Ndepsoman et tout le reste. Et tu as dit depuis le début qu'il y a eu beaucoup de rumeurs. Tu as signé et tu affirmes que c'est vrai. Et par la fin, tu dis, il est temps que tout soit vrai, tout soit clair, qu'il est Ndepso. C'est le français, non? Il y a quoi de compliqué là-dedans? Nous tous, on a compris que tu as dit qu'il est. Maintenant, tu veux justifier. Tu veux dire que tu n'as jamais dit ça comment? On comprend mal. Jamais. Alors, je vous ai présenté la première image. Vous connaissez le présentateur Anaconda en Côte d'Ivoire. Parce que j'ai entendu les gens, la rumeur, les gens viennent dire « Ah, franchement, Freddy Christel, le présentateur qui était face au producteur, n'est pas professionnel. Vraiment, on pose, il y a des questions osées. Il y a des questions qu'on ne pose pas, des questions vraiment. »
Vous avez vu, je dis que Anaconda est le seul qui fait paniquer, qui fait trembler le roi des Mamayo en Côte d'Ivoire, Makoso Kamine. À chaque fois que Kamine Makoso se trouve face à Anaconda, il rentre, il quitte sur le plateau toujours avec la sueur. C'est-à-dire que si Anaconda était face à ce monsieur de Serge Kodo, il allait tout casser sous le plateau. Il allait tout. Il ne devait pas seulement se lever et partir. Il allait tout casser sous le plateau, on est parti. Alors, une émission pareille, c'est un peu comme une émission d'enquête. C'est comme une émission où on veut vraiment te mettre dans tes états pour que tu puisses dire certaines vérités sans même t'en rendre compte. Alors, vous avez vu en deuxième image, un ministre, malgré tout ce que vous racontez sur lui, c'est un ministre en fonction, invité sur un plateau de télé internationale. Alors, il regrette certaines questions qu'on lui pose. Et le journaliste lui fait comprendre, monsieur, de la même manière que vous étiez libre de venir, vous êtes libre de partir à un ministre. On ne doit pas encourager ça parce que, honnêtement parlant, il faut que certains journalistes respectent leurs invités. Mais je voudrais dire que, je voudrais rappeler que c'est le fait de demander à l'invité de partir du plateau qui n'est pas professionnel selon mon point de vue. Mais des questions qu'on pose à l'invité. L'invité ne vient pas sur un plateau et doit décider des genres de questions qu'on doit lui poser. Non! Quand tu viens, à la base, on te dit, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu acceptes notre invitation? Quand tu dis déjà oui, mon ami, tu dois être prêt à accepter toutes les questions qu'on te pose, même les questions les plus osées. Oui! Surtout que tu en dirais. Pourquoi le ministre n'a pas abandonné le plateau après le mépris du journaliste? Journaliste qui n'était même presque rien devant lui. Hein? Selon son rang du ministre. Donc, le gars, malgré qu'il a eu mal par rapport au comportement du journaliste, il est resté. Il a fini l'émission. C'est ça le sens de la grandeur. Donc, malgré que si on avait posé quelques questions à ce producteur, il n'avait pas le droit d'abandonner une émission. Makoso, malgré tout, vous avez vu Makoso abandonner le plateau. Il fait tout son désordre, il peut, mais il finit l'émission. C'est ça la grandeur d'un homme. C'est ça. On ne se lève pas un matin pour être producteur, pour dire qu'on est producteur. Monsieur, quand tu te donnes le titre du producteur, un producteur, c'est un père de famille. Et un père de famille, quand tu fais des enfants, tous les enfants ne peuvent pas marcher comme tu veux. Il y a tous les enfants qui vont consommer les drogues et tout le reste que tu racontes là. C'est à toi donc maintenant d'amener ton enfant sur les rails. Oui, lorsque tu es un père, si tu es un père qui met au moins un enfant qui est désordonné, tu ne parviens pas à supporter le comportement de ton enfant. C'est-à-dire que tu es un père irresponsable. Oui, de supporter son comportement jusqu'à le lyncher, le mettre à la verdict populaire. C'est-à-dire que l'exposer, tu n'es pas un père responsable. Tu n'es pas un père. Un père qui se comporte comme ça, franchement, n'est pas un père. C'est un père irresponsable. Alors, monsieur le producteur, je pense que tu es en train d'occuper un poste que toi-même, tu ne connais pas le poste, la casquette que tu portes. Producteur. Un manager encore, on peut supporter. Mais un producteur, non, on ne tolère pas ça. Et tu dis, tu viens me mentir sur un plateau, tu dis que tu n'as jamais traité Happy. Voilà les images. Tu dis que tu as signé et tu confirmes que c'est vrai. Attends, c'est pas français. C'est français. C'est français. Nous, on a compris. Mais mon frère, même sur le couloir du showbiz, est comment? Il y a des choses qui se disent dans le barbare, mon frère, qu'il ne faut pas venir en mondovision. Tu viens de teigner l'image du bolet. Oui. Oui, tu viens de tenir l'image de bon. Et ceux qui viennent critiquer le journaliste était bien dans son droit de poser des questions comme il veut. C'était maintenant à l'invité d'être professionnel, d'être mature, d'être assidu, d'être posé et montrer le sens de grandeur. Et quand tu fuis une émission, mon frère, ça dit tout. Ça dit tout. Donc, prochainement, pour d'autres producteurs là, on va les appeler les soi-disant producteurs, on va les appeler producteurs. Quand on vous invite là, soyez un peu grand dans vos manières de faire, vos comportements. Parce que
le producteur de Happy, son langage, il s'est rendu tellement plus petit que Happy, qu'il est même un enfant. Parce que le producteur là, s'il a couché tôt comme certains jeunes qui font les enfants à 20 ans, c'est que Happy est même son fils. C'est-à-dire qu'il n'est pas différent de son fils Happy. Oui. Mieux encore même Happy. Moi, je préfère même Happy. Mais venir exposer un enfant comme ça, on dit non. Même si l'enfant est devenu quoi? Parce que même si l'enfant est devenu ce qu'il est devenu, c'est à cause de vous. C'est à cause de vous. Oui. Vous l'avez miroité que pour être ceci, il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut même s'il a pacté, même s'il a fait quoi avec qui? C'est à cause de vous. Et c'est comme ça que vous détruisez la jeunesse. Vous mettez la jeunesse à plat ventre. Franchement, c'est décevant. C'est souillant. Partagez-moi la vidéo, les amis. C'était le général Franco. Et j'ai mis les organes sur cette vidéo. Hein, parce que ça me fait mal. Ça me fait vraiment mal. De venir exposer un enfant comme ça. Non, c'est pas poli. C'est pas bien. Partagez-moi cette vidéo, les amis. Et si tu es nouveau sur la page, abonne-toi. C'était le général Franco. Ciao. S'abonnez-vous. Quand vous êtes abonné, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.